Edward Thorndike est né en 1874 aux USA et c'est un des piliers de la psychologie expérimentale. Il a été l'élève de William James à Harvard, puis il a passé sa thèse à Columbia en 1898, université dans laquelle il a par la suite enseigné puis dirigé le département de psychologie. Il a orienté ses recherches sur l'intelligence animale en se posant des questions du type « Les animaux peuvent-ils apprendre ? Leur comportement ? Sont-ils tous régis uniquement par des réflexes? S'ils peuvent apprendre, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre? Est-ce qu'ils peuvent apprendre en s'observant les uns les autres? Il a donc permis, grâce à toutes ces questions, l'émergence des sciences du comportement. Il est par ailleurs considéré comme le précurseur du béhaviorisme. Sa loi de l'effet est probablement à l'origine du processus de renforcement utilisé dans l'apprentissage instrumental par Skinner. Son intérêt pour la psychologie vient du fait qu'il la considère comme une science naturelle observable, ce qui n'est pas vraiment la norme à son époque, où l'on prône plutôt des méthodes introspectives. Une de ses expériences les plus connues utilise des boîtes à problèmes ou des puzzle box. Elle utilise également des chats. C'est une expérience relativement simple. Il place des chats affamés dans une boîte dont l'ouverture nécessite une action simple pour accéder à la nourriture qui, elle, se trouve à l'extérieur de la boîte. Elle est donc inaccessible pour l'instant. La boîte à problème possède une porte fermée par une corde lestée, et cette corde est attachée à un levier. Le chat doit donc actionner le levier, ce qui lui permet d'ouvrir la porte et d'avoir accès à la nourriture. Il faut donc que l'animal construise une réponse organisée, car un simple réflexe ne permet pas l'ouverture de la cage. Au départ, l'animal se retrouve dans une cage, il ne la connaît pas. Il l'explore, renifle, miaule et cherche le moyen de sortir et d'aller vers la nourriture qui se trouve encore une fois à l'extérieur. La première fois qu'il appuie sur le levier, c'est par pur hasard. C'est par déclenchement accidentel, fortuit, que la porte s'ouvre. Rien à voir avec un apprentissage. Cependant, les fois suivantes, lorsque l'animal se retrouve dans la même situation, Thorndike note que le comportement du chat est de plus en plus orienté vers l'endroit où se situe le levier. Au fur et à mesure des répétitions, l'action d'appuyer sur le levier devient plus rapide, plus organisée. La réponse adaptée à la situation est donc de mieux en mieux intégrée par l'animal. En notant la vitesse à laquelle un apprentissage a lieu, Thorndike construit une courbe d'apprentissage. Les chats ont du mal au début, puis deviennent de plus en plus rapides, jusqu'à ce que leur vitesse de réaction soit suffisamment efficace pour se stabiliser. Il pense que pour réaliser ce type d'apprentissage, il fallait une certaine intelligence intrinsèque aux animaux, donc en l'occurrence ici aux chats. De toute évidence, une intelligence qui ne repose ni sur le langage, ni sur l'introspection. À partir de cette expérience, il va émettre deux lois, la loi de l'effet et la loi de l'exercice. La loi de l'effet, formulée en 1911, postule qu'une réponse est plus susceptible d'être reproduite si elle entraîne une satisfaction pour l'organisme et d'être abandonnée s'il en résulte une insatisfaction. En d'autres termes, si la connexion situation-réponse est suivie d'un état de satisfaction, donc de la récompense, le comportement appris a plus de chances d'être reproduit. Ainsi, plus la force de connexion est forte, plus la probabilité de produire la réponse va augmenter. Dit plus simplement, un comportement suivi d'une récompense sera associé à la situation qui l'a déclenchée. La loi de l'exercice est inspirée par les recherches d'Hermann Ebbinghaus. Elle postule que plus un sujet se comporte d'une certaine façon dans une situation donnée, plus l'association entre cette situation et le comportement sera renforcée. Donc la répétition de la situation permet de la relier plus efficacement au comportement utilisé. Thorndike a développé des expériences similaires chez les êtres humains, en demandant par exemple à des sujets de donner un chiffre entre 1 et 5 à chaque fois qu'ils prononcent un mot. La récompense ou la punition, ce qu'on appellerait maintenant des renforçateurs, est plus souvent de nature verbale, c'est-à-dire une simple approbation ou désapprobation donnée au sujet par l'expérimentateur. C'est bien, c'est pas bien. Dans ces conditions, les sujets apprennent. Ils apprennent de façon largement inconsciente et ils apprennent à réaliser le comportement voulu
c'est-à-dire la réponse que l'on souhaite, comme répondre 5, à chaque fois qu'un mot spécifique sera prononcé, comme le mot pomme de terre. Tandex est aussi intéressé au transfert de l'apprentissage d'une situation à une autre situation en fonction de leur similarité. Il s'est intéressé aux capacités d'apprentissage suite à l'observation d'un modèle. Ses recherches lui ont permis de noter l'importance de la récompense et il en a déduit que l'importance de la récompense n'aurait que très peu d'effet sur l'efficacité de l'apprentissage. Ce résultat sera remis en question par la suite. Il a aussi amené l'idée que les punitions, en cas de mauvaise réponse, n'auraient aucune ou très peu d'importance, faisant de lui un des premiers à remettre en cause le rôle de la punition dans les acquisitions. En utilisant une terminologie moderne, on peut décrire ces grandes lois de l'apprentissage comme des principes gouvernant l'association entre stimulus et réponse. Ce type d'apprentissage par essai-erreur et association progressive entre une action et son résultat est la base du behaviorisme et du conditionnement opérant de Skinner. S'il est essentiellement connu en psychologie pour ses lois de l'apprentissage et pour son influence sur le behaviorisme, le travail scientifique de Thorndike, pardon, ne s'est pas limité à ce domaine. Enseignant toute sa vie, dans ce qu'on appellerait aujourd'hui les sciences de l'éducation, il a consacré beaucoup d'efforts à la recherche appliquée. En effet, il a mené de nombreuses recherches sur la mesure de l'intelligence. Il s'est opposé au facteur G, intelligence générale, capacité mentale générale, proposé par Charles Spearman en 1904. Il considérait que l'intelligence était multidimensionnelle et il distinguait l'intelligence abstraite, les capacités verbales et la pensée symbolique, l'intelligence mécanique, la capacité à contrôler son corps et à manipuler des objets, et l'intelligence sociale, la capacité à communiquer avec les autres, les comprendre et établir de bonnes relations. Ces travaux ont donné lieu à la création de plusieurs tests d'entrée dans les universités, et ils ont été publiés en 1926 dans The Measurement of Intelligence. Un autre de ces centres d'intérêt et la pédagogie. Il est l'auteur d'un dictionnaire pour enfants et il a entrepris de recenser les mots les plus courants de la langue anglaise pour baser l'enseignement du vocabulaire sur cette liste. Il a également travaillé sur un livre de problèmes d'arithmétique, basé sur l'idée que les problèmes devraient avant tout être des problèmes plausibles et non pas des exemples abstraits dont la compréhension pose autant de difficultés que la résolution proprement dite. Pour conclure cette capsule, je dirais donc que Thorndike a sa place parmi les grands noms de la psychologie expérimentale, mais qu'il avait plusieurs casquettes, plusieurs facettes, et qu'il a eu aussi, une influence considérable dans des domaines connexes et notamment en éducation. Merci d'avoir visionné cette vidéo et au plaisir de partager d'autres informations dans d'autres capsules.